Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant l'énorme mise à jour qu'il y a eu sur Call of Duty Modern Warfare et Call of Duty Warzone, étant donné que c'est les deux jeux qui ont été retouchés par certains problèmes de bugs ou si on a des rajouts sur le jeu, et également Warzone au niveau des armes qui ont été repris de Call of Duty Modern Warfare sur le Battle Royale. Mais avant d'attaquer tout ce sujet de vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau et d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos, et surtout n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu parce que on a tapé un gros top 1 mon gars, top 1 solo 14 kills avec une action de malade à la fin. Franchement vous allez grave kiffer, tu connais l'objectif, toujours les 1000 likes, montre ton soutien, montre que tu es présent, etc. Ça aide toujours le youtubeur et au niveau des référencements, etc. Donc lâche ton gros pouce bleu. Maintenant j'ai vite expliqué tout ce qu'il y a eu sur le multi et également sur le Battle Royale, et après je vais vous laisser avec le live du top 1 qui est juste monstrueux. Franchement l'action finale est vraiment monstrueuse, et on va tout de suite attaquer par le multijoueur. Il y a pas mal de petits bugs qui ont été rectifiés, tant mieux d'ailleurs, également que ça soit dans le mode 6v6, que ça soit également dans le mode guerre terrestre et également dans le mode Battle Royale qui a eu quelques rectifications de bugs. Déjà sachez d'avance qu'une personne que vous mettez à terre et qui décide de déconnecter et tout simplement de quitter la game laissera tout de même quand même son stuff derrière lui, donc c'est plutôt une bonne chose. Et ensuite au niveau des armes qui ont été rajoutées sur Warzone, il y a 4 armes qui ont été rajoutées et d'autres variantes qu'on n'a pas pu tout découvrir à l'heure actuelle parce que les variantes d'armes sont plutôt assez rares dans les coffres. Donc il y a l'EBR normal et ensuite commun, donc en vert. Il y a également le Desert Eagle en normal et en vert, également la MK2 de nouveau en normal et en vert, et pour terminer il y a donc le 725 en normal et en vert que je recommande pas forcément parce que ça fait pas mal de hit markers, donc de nouveau je vous recommande absolument pas de jouer avec le 725, mais également pas mal de variantes comme le car en légendaire, donc en orange, qui est plutôt vraiment très bien. Donc je vous recommande également de jouer avec si vous tombez, parce que si vous tombez dessus dans un coffre, étant donné qu'elle fait pas mal de dégâts et tout, donc niveau mobilité et maniabilité c'est également archi stylé. Je vous recommande de jouer avec, et également la map 6v6 qui est sortie. Il y a une playlist 24h sur 24 qui est sortie. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'y jouer? J'en suis pas sûr, j'ai joué genre quoi, allez, 3 ou 4 games, ça campe pas mal. En fait, à partir du moment où tu prends le middle map, c'est totalement terminé. Vous devez limite ne pas bouger parce que vous avez une position mais incroyable. Il suffit juste de ne plus bouger et d'enchaîner les kills, enchaîner les kills. C'est vraiment une map un peu trop basée sur la camp plus que sur le rush. Ce qui est un peu dommage là-dessus, enfin bref, dommage parce que niveau graphiquement, enfin niveau de la beauté de la map, elle est plutôt assez jolie, mais c'est totalement injouable si vous voulez vraiment rush dessus. Voilà, maintenant je vais vous laisser avec le live, gros top 1, 14 kills solo, et je vous dis bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Warzone ou Call of Duty Modern Warfare. Ciao ciao tout le monde! Ouais d'accord, ok. Pas de problème hein, le bug hein. Ouais mais frère, c'est... Oh là là, c'est horrible hein. C'est nimp les serveurs. Bah vous avez vu hein. Je fais vraiment pas la comédie hein les bros, je vous ai dit hein, ça lag de ouf. Qui était Abuse pas. Non, on va prendre une voiture un peu plus tard. Non mais mec, c'est insupportable vraiment, je bug énormément. Cronibar, je suis mort. Regarde, je me prends ces coups de téléporte, mais c'est... Oh non mais mec, c'est quoi ces serveurs en carton là? Oh là 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 là. Je vous jure les bros, je ne fais pas des histoires pour rien, ça bug de ouf.
Non mais mec... Non mais c'est injouable. C'est littéralement injouable. Non mais c'est littéralement injouable. Imagine, LT, si c'est ta connexion qui est pourrie. J'ai jamais eu un problème de call, les bros. C'est vraiment les serveurs qui sont complètement à la ramasse. Du coup, on va attendre notre gigapote. Ouais, parce qu'il y en a toujours un derrière nous, je rappelle. Il y en a toujours un qui doit sortir de la zone. Salut mon pote. Ouais, ouais, je t'attends depuis 3 heures. Ok, ah, c'est good. T'as quoi comme... Ouais, non, mais t'as un silencieux sur ton truc, c'est dégueulasse. T'as déjà réussi à s'en sortir une fois. Ah. Y'a des tirs silencieux à côté. Tu veux pas venir là? Arrête de bugger! Putain de jeu! Je vous jure, ça commence vraiment à me titiller les nerfs là. Je vous jure, je commence vraiment à tilter là. Le goulag est fermé. Génial. La zone est là-bas. Vas-y, allez, avance, avance. Il me fait trop rire. Ah, moi, je trouve ça pas drôle, bande d'enfoirés. Bande d'enfoirés, là. Vous rigolez de ma souffrance. Je souffre. Et vous rigolez de ma souffrance. J'aurais fait pareil, hein, de même, hein, quoi. Du coup, oui, effectivement. Ok, un mort.
forêt, mon pote. Ouais, tranquille, hein. Moi, je fais des zigzags, écoute. Hein. Je trouve ça génial. Pas toi? Gros, t'as déjà de la chatte là? Zone là-bas. C'est ultra dangereux hein, ce que je fais. Hein. Ouais, d'accord, ça bug tellement que le... J'ai plus de mun, hein, tranquille. Hein. Des mines. Il y en a deux. Je me concentre hein, les bros. Hein. T'as plus de balles, ouais. Il y en a deux en fait et j'ai pas envie de sortir inutilement. On va attendre. Hein. Ok. Ça veut te bouger hein. Ça c'est du top 1! Let's go! Même en bugant, je tape du top 1! Let's go! Ça, ça fait plaisir! 14 kills, action de malade à la fin. Franchement, elle est grave stylée l'action à la fin. Premier mec, deuxième mec derrière, troisième je le chope et le quatrième. Les quatre derniers c'est moi qui les ai. Je suis content. Donc n'hésitez pas de vous follow à la chaîne Twitch, hein, même si c'était pas pour vous l'insulte. Hein.